Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des situations. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer par les screens. Donc pour le premier screen, c'est tout bête en fait, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, il y a l'animation, vous savez, il y a le petit plus pour vous dire d'aller en acheter. Mais on voit quand même qu'il y a le personnage de l'animation qui est juste derrière. Donc voilà. Celle-ci, ça m'a plus fait rire en vrai, c'est pas vraiment une... Enfin, si on peut considérer que c'est une situation. Mais c'est plus drôle qu'autre chose en fait. Là vous devez vous dire, mais what? Mais je viens de comprendre. Mais en gros ici ça montre que un personnage féminin entre guillemets est là qu'en fait c'est un garçon. Alors en plus c'est écrit pareil. En fait il y a rien de... En fait finalement il y a rien. En fait je pensais que la personne qui me l'a envoyé en se demandant mais Axel c'est un prénom de fille alors que pas du tout Axel, je connais des garçons qui s'appellent comme ça. Mais en fait oui bah ça se voit que c'est un visage masculin ici quand même. Donc oui c'est... Dans l'email il y avait marqué est-ce que c'est une fille ou un garçon. Donc je confirme bien que c'est bien un garçon. Déjà parce que les filles peuvent porter les trucs garçons et inversement et c'est surtout aussi parce que MSP a fait à un moment donné un thème qui proposait justement des vêtements garçons pour les filles et vice versa. Et ça c'est cool, c'est un grand pas pour MSP, c'est cool. Bon, le fameux bug du chat est fermé, celui-là je pense que c'est arrivé à presque tout le monde. Dites dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Bon, sous différentes formes, autant pour certains c'était le chat réouverture dans moins 10 heures ou dans je sais pas combien de minutes ou des trucs genre des trucs exagérés. Alors là, c'est Casper qui, enfin, c'est Starcon et Diamant Casper, hein, parce qu'on ne les voit pas. Vous pouvez constater juste au-dessus, où normalement il y a les Starcon et les Diamants qui s'affichent, c'est qu'ils tout simplement ne s'affichent pas. Ils sont partis en vacances. Alors celle-ci, pareil, elle m'a fait plus rigoler qu'autre chose. En fait, la personne qui me l'envoyait, je pense, était en panique, je sais pas, mais en gros, elle a dit « Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça dans l'avertissement. » Parce que ton compte a été bloqué pour 3 jours, tu n'as pas respecté le règlement. En parlant de triche sur le jeu, de hack, de prise de drogue ou autre activité potentiellement criminelle. Merci de suivre les règles et nous aider à rendre le jeu un endroit sûr et agréable pour tout le monde. Voilà, donc pour ceux qui ont eu cet avertissement, je voulais de manière générale vous rassurer. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué de prise de drogue que vous avez forcément parlé de drogue. C'est juste qu'ils englobent plusieurs sanctions, enfin plusieurs motifs de sanctions dans un seul message. Donc... soit t'as parlé de triche sur le jeu, soit t'as parlé de hack, t'as pas forcément parlé de drogue. Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur si vous voyez ce message-là, hein, ou d'autres activités potentiellement criminelles, donc c'est peut-être juste voler un vêtement à quelqu'un, bah c'est considéré comme une activité potentiellement criminelle. Donc vous inquiétez pas, ils utilisent des grands mots, mais ne paniquez pas à la vue de ce message. Bon ça va, là pour le coup t'as été bloqué 3 jours, tu pourras récupérer ton compte. Et ici, nous avons le fameux message crypté. Si vous savez ce qu'il y a marqué dans ce message, écrivez-le en commentaire. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et me dire ce que vous voyez dans ces messages. Peut-être que vous trouverez des trucs rigolos. Je sais pas. Moi, je crois qu'ici, il doit y avoir écrit « Bonjour ». T'es sûr que c'est... C'était blablabla. Voilà. C'est tout ce que j'arrive à lire. Sinon, que dalle. On passe maintenant au message des situations. Alors, quand j'ai débuté sur MSP, j'avais à peine 9 ans. Mes cousines et moi étions H24 sur MSP. Là, à ce moment-là, on ne voulait pas accepter des inconnus. Et ben, vous avez très bien fait. Et un jour, sans ma troisième cousine, vu qu'on était 3, donc un jour, on fait un compte de mec. Et alors, on faisait comme les filles dans le chat, qui dit « je cherche un mec », sauf que là, c'était « je cherche une meuf ». Bref, il y a une fille qui est venue nous parler et tout, et puis elle nous a appelé « bébé ». Alors on s'est bien marré et puis « meuf ». Oh, vous êtes pas sympa les filles. Commencez à dire des trucs chelous. Donc quand ma troisième cousine est venue, elle a pété un câble. Elle a dit qu'il fallait lui dire qu'on était des filles, donc on le fait. Puis la meuf a commencé à nous insulter de puche. Donc on l'a bloqué et puis on s'est promis de ne plus jamais aller sur MSP avec mes cousines. Ah genre de plus du tout aller sur MSP en général. Non, après, voilà, faut pas, à cause d'une mauvaise expérience non plus, arrêter complètement le jeu. Faut juste faire attention avec qui on parle et de bloquer directement les personnes qui sont un petit peu cheloues et qui insultent. Et puis, normalement, tout se passe bien. Bon, là, j'avoue, vous l'avez cherché un petit peu quand même, hein. Je sais pas dans quelle catégorie le mettre.
En gros, ça fait une semaine que je caresse des pet-pets pour acheter la casquette à 35K. Et là, j'ai mis dans mon queue fêtu qu'il me reste que 10 000 Starcoin pour l'acheter. Et il y a une meuf qui est venue me voir et elle m'a sorti que si je lui envoie, je passerai level 52 direct. Sinon, continue comme ça, je te kiffe, t'es la meilleure. Bah, merci beaucoup. Bon, d'après ton message, je pense que tu as compris que c'était une arnaque. Parce qu'on ne passe pas niveau 52 en envoyant une casquette, ça c'est sûr. Ça je peux vous le dire. Hein. Moi je suis niveau 52 sur 15, c'est pas grâce à la casquette. Hein. Hey, j'ai une situation bizarre pour toi. Il y a 2 semaines, j'étais sur MSP, je suis allée dans des salles de chat. Puis tout d'un coup, je vois un pseudo écrit. Esprit de 15. Oh non, mon esprit s'est encore échappé de ma tête. Je lui ai demandé en ami et je lui ai dit « Coucou, tu es vraiment l'esprit de 15 ?» Elle m'a dit oui, après je lui ai dit « Tu en es sûr ?» Elle m'a encore dit oui. Puis après mon compte s'est déco et dans mon profil c'était écrit « Ici, esprit de 15 L. » Je n'étais pas chez moi mais j'étais partie quelque part. Et ma meilleure m'a dit sur Snap « Tu te fais pirater, côtoie vite. » Je me suis connectée et mon mot de passe était changé. Puis après je suis vite allée sur mon mail et j'ai vite changé le mot de passe et j'ai bloqué la fille, c'est vraiment zardinant. Oui, bah moi, est-ce que par hasard, ta meilleure connaîtrait par hasard ton mot de passe? Parce que bon, le fait que ce soit elle qui a remarqué que tu te fasses pirater quand même, hein. Il y a peut-être Anguille sous roche, expression 1990, bonjour. Mais ouais, non, t'as bien fait de te connecter, de changer tout ce qu'il fallait. Et du coup, non, je te le dis, ce n'est pas mon compte. Ce n'est pas moi. Alors ça c'est une situation un peu plus IRL, salut la quinzaine. Bon j'en profite parce que vu que c'est un petit peu Halloween, on est en octobre, voilà. Un jour, il n'y a pas longtemps, mes chats regardaient toujours en l'air comme si quelque chose était en haut d'eux et ça se passe toujours dans le couloir de chez moi. Et quelquefois, j'entends des sifflements dans le couloir, ça me fait vraiment flipper. Bah je sais pas, peut-être que le voisin du dessus a décidé de faire, de faire un zoo de serpent et du coup c'est ça que tes chats ils entendent. Je sais pas, je trouve pas. J'étais en train de jouer, normal, je fais tout normal en gros et ensuite je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas nourri mon bouni. Et j'étais dans ma chambre et j'étais invisible. On voyait mon pseudo, mon bouni, mais on me voyait pas. C'est chelou, voir mes photos. La preuve, mon gratuit s'est mis tout seul. Bah t'inquiète pas, j'ai déjà montré en screen ce bug là, on l'a déjà vu, mais il y a pas mal de gens qui me disent qu'en fait c'était une animation qui met les gens en invisible. Alors en fait j'étais sur MSP et là un mec me demande mon snap, on avait appris à se connaître, du coup je lui donne et là il me demande plein de photos de moi sachant que lui ne m'en envoyait aucune. Et après il me demande une photo de mon haut, en gros ma poitrine. Et lui, il m'en avait envoyé une. Et moi, je voulais pas. Du coup, il m'a obligée. Et après, il commençait à m'appeler bébé et tout. Enfin bref, je l'ai bloqué. Voilà ma situation, la quinzaine, bisous. Alors, je suppose que d'après ton message, tu lui as envoyé ou pas la photo de ton haut, enfin de ta poitrine, je suppose. Enfin, peut-être pas dénudée, j'espère. En tout cas, il ne faut pas faire ça. Je vous invite à aller regarder des vidéos de prévention. Je pense, il me semble que c'était le roi des rats avait fait une bonne vidéo sur justement le... Revenge porn, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, ça parle des garçons qui valorisent justement les filles. Bon, ça peut arriver l'inverse, mais vu que c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent pour les filles de se faire avoir par ce genre de personnage, que c'est pour ça que je dis version fille, mais ça marche dans les deux cas. En gros, le garçon, il va valoriser la fille en disant oui, machin, t'es trop belle, machin, etc. Et va commencer à demander des photos un peu plus intimes de la fille. Et la fille va se sentir obligée de lui envoyer parce qu'elle aura soit peur de le perdre ou un truc comme ça juste pour garder son intention, etc. Va l'envoyer ou si elle ne veut pas lui envoyer, bah elle remarquera que le garçon ne voudra plus trop lui parler, alors elle va finalement lui envoyer, etc. Et le revenge porn, ça peut arriver très vite, c'est genre après les garçons se servent de la photo pour vous en demander plus ou pire encore. Donc n'envoyez jamais une photo dénudée de vous. Et puis en général... Moi, je vous conseillerais de ne pas non plus, surtout pour les personnes qui ont moins de 18 ans, d'envoyer leurs photos tout court. Voilà, ou faites-vous un compte Instagram, mettez des photos legit. Donc, quand je dis legit, je parle des photos pas dénudées. Hein. Et bien sûr, demandez avant de créer votre Instagram et avant d'y mettre des photos, la permission quand même des parents selon votre âge. Voilà. Bon, je sais qu'à 16-17 ans, on demande plus ce genre de choses, mais si vous êtes plus jeune, vraiment, demandez quand même. Voilà.
Donc j'espère vraiment que vous n'allez pas vous faire avoir par ce genre de choses, parce que je sais que c'est de plus en plus fréquent avec les nouvelles technologies, les nouvelles générations. Bon, à ma génération, il n'y avait pas tout ça encore. Salut, je sais que dans tes vidéos, il y a déjà eu beaucoup de ce genre de choses, mais en gros, voilà mon histoire. Il y a un mec qui s'appelle Tendance BG Meuf Love. Il a essayé de draguer comme jamais MDR, sauf qu'après, genre, il m'a dit qu'il... il est allé dans ma chambre sur aspect, bien sûr, MDR, et après il a dit que... Il a dit, est-ce que tu veux qu'on... désolé pour les jeunes, et après j'ai dit, non, je suis pas une puche, et après il a un, et alors ça pose problème, wesh. Ce qui prouve que même à 20 piges, il y a toujours pas de maturité chez certains. Alors par rapport à la maturité, je pense que tu peux très bien avoir 13-14 ans et être super mature, et autant tu peux en avoir 40 et toujours, toujours ne pas avoir de maturité. Je pense que la maturité, c'est pas forcément relié à un âge, mais plutôt à une mentalité, et la mentalité, bah voilà. C'est pas non plus relié à l'âge, enfin bref, je sais pas si vous avez compris. Voilà, c'était ma situation un peu gênante, mais sinon je t'adore, j'aimerais bien qu'on soit amis, même si je sais que tu as des milliers de demandes. Bah merci beaucoup. Bah là je suis pas sur le bon compte pour t'envoyer une invitation, vu que sur les situations, bah je n'accepte pas, mais sur 15 ans, vu que je suis pas sur mon compte, ça va être compliqué. Mais merci à toi pour le partage de ta situation. Et j'avoue c'est gênant, mais voilà, c'est quand même bien d'en parler. Et pour la dernière situation, avant de clôturer cette vidéo, j'étais en train de jouer dans les jeux d'MSP pour augmenter mon niveau et il me manquait 4 frames pour l'atteindre. Quelques secondes plus tard, je gagne au jeu, se déguiser et au moment où j'ai tourné la roue, ma récompense de mon niveau s'est affichée et quand j'ai cliqué sur la croix, j'ai vu tourner la roue 2 fois. Voilà, bref, je t'aime et continue tes vidéos, tu gères. Bah merci beaucoup, bah écoute, c'était... Bah c'est cool, franchement c'est cool que ça arrive plus souvent. Mais ouais, les bugs de la roue, ça arrive assez souvent quand même. Bon bah sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si vous voulez envoyer une situation, le mail est dans la description et pour envoyer un message, c'est sur les situations. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao.